Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Fidèles au sang, ces hommes et noirs, Taïmata, chez notre aîné. Bonjour, les bénis. Plus précisément dans la carte de Washington. Balobi maman Marthe Nde. Maman Marthe Nde. Balobi shop Africa Union. Mais quand tu es gagnant, tu es un peu plus grand. Il y a un Congolais. 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 Il y a un Bio Africa Union et tout ça pour la machine, sinon vous voulez pas dire que vous voulez dire. Vous voulez dire que 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 Mesdames et messieurs, bienvenue, merci de suivre Critique Info, premier numéro. L'actualité, c'est Mwabilou qui veut imprimer ses marques, c'est l'avenir qui en parle. La percée se penche sur la question de Sonny Kafuta dévoile Ambongo enfonce. Et puis, on va terminer avec la prospérité qui parle de la justice internationale. La CAJ appelle Global Witness et PLAF à produire les preuves de leurs allégations. Bandeko, toujours poursuivre l'émission de Bito Tolobaki, Mikolo et Dali Kakako, Sembo la Makambo, Odele Kanambo Karabiso. Mais avant, na banda yango nyoso, na pesibino nyoso, merci, ba oyo ba ebaki ke, na dali koze la bébé, na lobaki yango plusieurs fois, que Christian Philippe finalement a yaki lobby, je suis père depuis hier. C'est un grand honneur, c'est un très grand plaisir. Vous n'avez aucune idée de la joie que j'ai d'accueillir ce petit être merveilleux, aussi mignon qu'il est, Christian Philippe. Donc, merci de ma prière, Nabino. Merci de ma soutien, Nabino. Nyoso, l'enfant est là. Bandeko. Mboka, batambu sakayango, na lolendo te. Mboka, batambu sakayango, pe na moibite. Ce pays, après avoir lu, fait des recherches, entendu, ndeko mboka na biso et la difficulté à quoi avancer, mais parfois tout le monde a mis le kate na mboka. Nous avons, na ngina lobela bino likambu, moko kaka, le lo, mingite, moko. Likambu o babengaka dette intérieure. Na kote na mona aspect intellectuel na ngote te nyongo ya mboka o azali na batuna ye ya mboka. Ce pays, le Congo, la RDC, l'état congolais doit à plusieurs Congolais des millions d'argent, des millions et des millions. Je vous dis, mais ce qui botali modèle ba komi ko commercialiser ba nyongo wana ndeko otali yo mo bangi l'état na biso comment il fait pour nous causer le pango ya bato, bandako ya bato, babiloko ya bato, sans qu'à organiser succession nango, après ça bato, biloko na bango. L'un des problèmes autres à la mboka yango wana. Moi je vous ai dit, na bandiko fungo la kaka ba place ou la passe. Mikolo et kaka wana. Là où ça fait très mal, c'est là où on va ouvrir. Tozo senga na procureur général, ya cassation, ameka na ba compétence ou est allié. Ba parquet ou est allié approprié la question, wana, ba meka kokende ko okotala, ko inspecter, ba tinda ba inspecteur judiciaire, on a place, on soit benga, ba contrôleur judiciaire, ba tinda bango,
effectivement, modèle enrichissement illicite salemi na mboka na biso. Ndeko, tozwa ba premier ministre e belé na mboka oyo. Ngana kotanga na ba kombo na bangote. Bato mususu bazwa mbongo na ba dette intérieure. Kombo na yekuta la ki dette intérieure. Asomba banda ko belé na mboka oyo likolo ya dette intérieure. Ça veut dire quoi? Et la pratique, moi, comme il y a un bon cas, et comme il y a un salema, non seulement, et ben, non pas seulement, na niveau ya primature, mais et comme il y a un salema, partout, dans ma cabinet, nyoso, dans ma mifala, nyoso à l'État. Et ça, ça commence à devenir pas bien. On ne peut pas construire un pays avec une mafia organisée dans le modèle Wana. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. L'État congolais, à l'Obiboué, Homo Fortus, Et l'État doit payer et pas la privé wana. Ndeko ba l'État na biso avant l'insolvabilité ya ko sakanate. Azui biloko ya ba citoyen congolais. Ba vena biso ba Gabriel Mokia, baza siko e belé ba ta modèle wana. Et dans la province, et dans la capitale. L'État vandeli banda ko wana pendant plus de 10 ans, pendant plus de 15 ans, pendant plus de 6 ans. L'État vandi a fouta kate. A fouta kate. Moutoupe avant dit, moi, pas ça là autrement, exacté. Alors, c'est là l'État fout en bongo. Vous allez vous rendre compte, mesdames et messieurs, l'État peut fout en bongo. L'État lui-même demande aux particuliers. Alors, de toutes les façons, nous avons 6 ans. Nous avons signé un ministre, nous avons signé un ministre. Donc, si tu as une dette avec l'État, c'est l'État qui te doit. Ce que l'ingi, nous avons payé un bongo. Le bongo, nous avons 6 millions de dollars. Oh, l'État fait devoir, nous avons payé ça 2 millions. Tu as payé ça 2 millions. Renonce aux 4 millions, mais c'est la signature que aux autres 6 millions. C'est la pratique au célèbre Namboka. Et les gens pensent que c'est la pratique normale. C'est de l'arnaque. L'État, quand un État doit l'argent à un particulier, l'État doit lui rendre mbongonaye au terme de contrat na bango. Mais les animateurs de ce pays ont fait de l'État un État insolvable. Au point que l'État va profiter de l'État. Ils ont mis leur parcelle à la disposition de l'État. Il y en a d'autres qui ont mis leur intelligence à la disposition de l'État. Il y en a qui ont mis leur service à la disposition de l'État. L'État a le devoir de l'État. Mais pourquoi on va foutre un bon moment? Comme il y a un problème. Oh non, il faut donner la procédure telle. Oui, mais suivons la procédure. Ne venez pas me dire ici que non, tu te fous d'un bon côté parce que. Et les gens sont prêts à faire des signatures et modèles. Voilà. Et c'est ça qui a enrichi le premier ministre Ebele, le ministre Moussousou. Comme l'État reconnaît une certaine autonomie, l'État reconnaît une certaine autonomie, une entité, une usine, une administration, alors ces gens-là commencent maintenant à abuser. Et là, réseau, mon aîné, il y a un réseau bien fait. En commençant dans le ministère, que les canaux budget, ça dit un réseau. Mais l'État congolais est là. La justice congolaise est là. Il est temps que la justice ouvre Missou. Mais Bafungola Yango pour de bien. De façon que Baba n'a qu'à inspecter. Est-ce qu'il est possible? Y a-t-il un mécanisme? Y a-t-il une procédure qui permet au parquet? Ça, c'est une question que je pose de façon innocente. Y a-t-il une procédure, un moyen que l'État peut contrôler la dette intérieure? Est-ce qu'il y a une procédure comme ça? S'il y en a, dites-nous laquelle. Comme ça, on va la suivre. Bon, vous devez voir Batumbongo et dans la institution république. Vous devez à quelqu'un l'argent. Vous devez à une ONG Mbongo. Vous devez à Batumbongo Mbongo. Ces gens-là viennent et ils disent, bon, il est temps, payez-nous notre argent. Et comme il y a un ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre qui avait signé. Il faut attendre. Vous m'avez dit, dilatoire, jusqu'à ce que quelqu'un vienne vous dire, bon, chef, je vous dis que tu es au Canada, tu es à moi, cop.
on a 6 millions. Bon, nous avons 4 millions, mais nous avons 2 millions. Mais les gens, les animateurs, là, vont dire non, 2 millions pour l'anime. Tu peux avoir 2 millions, tu peux avoir 2 millions, 4 millions. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils sont même prêts à préfinancer le paiement de l'État. Bah, vu que l'État n'a pas de poche, si les citoyens congolais, foutu bango 6 millions exactement 6 millions bakaboli kabola et vous avez des millionnaires en un jour, vous avez des millionnaires en deux jours à comment ministre seulement na signature moko comme ministre mbamoko tendeko. On ne blague pas comme ça avec l'État. Un État sérieux devrait s'inquiéter na richesse non expliquée à bateau. Parce que la richesse, on va expliquer, et créer un cas de frustration, et créer un problème, et créer un cas de problème de la société. On ne peut pas comprendre que l'État te doit de l'argent, et l'État, pour qu'il foute un bon monde, il te demande de collaborer. Vous avez vu combien d'erreurs ont parce que l'État n'a mis sur un bon cas. Mais il n'y a pas de sanctions. Je vous prends un autre exemple. L'État l'a mis boué. Bon, côté un seul, tu m'as dit qu'il faut te faire à côté. L'État lui-même, à sali ba affiche nae, à sali publicité nae, ba tout baye, à tiens moi nani à disposition, ba tout baye, ba tout ba sombi ba parti ma belle wana, ba sombi ma belle, ba te belle, ba sombi ba belle wana. Mais ce qui est bizarre, ce qui étonne les gens, c'est que 2 ans après, quand on change de conservateur, un autre arrive, quand on change de ministre, un autre arrive et il déclare cet endroit, endroit marécageux, on va vous reconstruire. Et on va venir détruire les maisons et à bateau. Combien on fait des AVC? Combien on fait AVC? Car parce que, à Somba Mabele, dans l'État congolais, en bonne due forme, il a le document de l'État congolais. Mais un jour, l'État se réveillait un matin, l'État est venu détruire. Parce que papa, wana, maman, wana, avec qui bon, on a eu à Vimobimba, à Tongi. L'État est à Bouki, l'État le bioté, place aux alliés, place aux coïncidents, la construction anarchique, bah, quand on a place au thé, l'État prévoit à monter. Mais qui a vendu? Il y a même eu autorisation de bâtir. Oh, les alliés, le document que seul l'État doit donner. On nous dit, ce modèle à l'État, il y a l'État déstructuré, un État décomposé. Alors, quand quelqu'un vient me dire, non, l'État doit faire des choses, je me dis, mais de quel État vous parlez? Parce que l'État lui-même n'existe pas. Un État ne peut pas exister dans ces conditions-là. Vous avez battu le professeur Bakandeja. Je vous amènerai les documents du professeur Bakandeja. Le document contre la Banque centrale. Le document contre la Banque centrale. Roulé. Bon, si on roule un professeur de droit en plus, il est roulé comme ça. Oh, je me pose la question, qu'est-ce qui arrive à papa Malenda, papa Ntandou, papa... Qu'est-ce qui arrive à ces gens? Qu'est-ce qui peut nous arriver à nous, nous les paisibles citoyens? Voilà pourquoi je comprends pourquoi Koulou Tenabu sur Gabriel Mokia, avec qui on est là tout moment, je comprends pourquoi il pleurait. Parce que l'État congolais lui-même était un État farceur, était un État aventurier. L'État est devenu aventurier, l'école est animateur naïe. Les animateurs sont venus chercher de l'argent dans l'État. Bah, comment Nambongo et Bélé, il y en a qui ont construit beaucoup de maisons, l'école est d'être intérieur. Ceux qui peuvent te lobby, oh non, et dans ma bé, vous avez attaqué Bango, non. Il est temps maintenant, vous savez, parce que peut-être t'es. Ou alors, ça va venir avec le temps. Mais je suis très convaincu. Arrivera un moment donné, on posera la question à Moutounio, Sonda, Kounaye, Azo, Ango, Wapi. Surtout les politiciens. Et puis dans cette matière, je ne vois pas la prescription. Je ne vois pas une prescription, en tout cas depuis ma bandiwana. Date à prescription et coquine en thé. On peut faire l'effort, on peut faire un effort. Les magistrats eux-mêmes peuvent diligenter des enquêtes. Au Vandi Boyomoko en tant que magistrat, dans le dossier, on a dit que c'était là-bas. On a enquêté ma cadastre très haut. On a dit que tous ceux qui ont travaillé dans le gouvernement depuis 2006. Tilelo. Parce que c'est l'âge de notre constitution. Depuis 2006, tilelo. On a dit que cas par cas. Moutoutel, bien élevé, estimé à combien? Il faut regarder juste les bateaux tous en avant pour voir. La douane, notre monde, la douane, ça doit de l'argent à des Congolais. Les Congolais, nous sommes dans la que douane, la douane, Congolais, la douane me doit. La douane me doit. L'OCC me doit. INSS me doit. SONAS me doit. OCC me doit. STP, ce qui peut, c'est me doit. Mais. Mongo va foutre, il faut que ça soit un goût.
Yaka signé Mukanda, n'a pas la moitié. Les Congolais sont là. Voilà pourquoi moi je dis, ah mes frères, je suis avec vous. Onyo soyebi que l'État en a nyongonaye. Ngana ebisibino, apportez-moi les éléments. Toko panzayango awa na TV. Ngonga wana yakiko. Oba daki yakobata ma esili bandeko. Oyebi que l'État congolais a devoir yombongo. Et surtout ce qui ministre moko. Ton premier ministre moko asenga yombongo. Directement ou indirectement. Ndeko. Pesa biso kombo wana. Toko na posa nango toko tanga yango awa. Naba signature na bango. Surtout lorsque vous avez des correspondances envoyées. Ministre Atinda balekine po ba komba na ba kopu wana ba ministre belé batinda ka balekine bango bana na bango ba kopine na bango basi na bango basala ba activité wana. Il est temps maintenant de dire assez. La République, ce n'est pas un gâteau à partager. La République, c'est une opportunité à offrir à tout le monde. Na donc comprendre comment les gens peuvent être aussi méchants à ce point. Mbongo ya ba veuve bolié. Il y a des Congolais aux armées de voir bango. Police veut devoir bango. Batoué, bango devoir bango. Mais l'État lui-même est incapable d'organiser Bilokwana. Voilà pourquoi je dis, cher papa, chère maman, ne vous inquiétez plus. L'heure est arrivée où nous devons dire la vérité. Profitons de cet état de droit. J'informe Nabatounioso. Bon, profitez d'un état de droit Oyotozui, Lelo, pour dénoncer Babiloko Nyoso, tout le monde est derrière. Et croyez-moi sur parole, et dans la bilo que c'est la ancienne administration, et dans la bilo que c'est la nouvelle administration, tokoloba yango na même énergie, parce que ce dont on a besoin, et dans le mot cannabis, toti kila yango, na bal cannabis, na ninga ya malam. Oza na poto, nga na besoin na sola téléphone te, j'ai besoin des éléments. Si tu n'as pas d'éléments, laisse tomber. Na na besoin ba éléments. Il y a papier. Soko na ba éléments, papier te ndeko lisolo ko beta na ngate pa na lobana nga ngote. J'ai besoin des éléments, d'un papier, d'une signature. L'État congolais, une entreprise publique, et donc, comment il y a l'État, et le devoir, il bon, mais ma foutre à l'autre, ma place à l'autre, tu es commis tout ça, tu n'as même pas, yo tinda kaka élément. Tinda la biso ba élément, nous allons nous en charger. Toko lo bela yango. Parce que mon justice, c'est commis très, 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 très éveillé. Très éveillé. Les bagnons entre les particuliers, vous pouvez gérer ça. Moi, je parle de l'État. Et là, comment il y a l'État? Voyez-vous? ONG, disons, entreprise, il y a l'État, département, l'État, ministère, tout ça. Et là, quand il y a l'État, il y a des devoirs civils, il y a des devoirs citoyens. Et beaucoup de personnes sont bonnes. Et donc, comme nous conseillons, il y a qu'un a plus. Ça, là, c'est beau, yango. Dites-moi, messieurs, merci. Vous avez un élément sur Facebook, sur WhatsApp, un élément Tinda. T'as collectionné un gros billet, t'as collé un TV. On va dénoncer. Et quand on va dénoncer, le parquet va se saisir d'office dans la ville de. On ne peut pas comprendre. Et d'ailleurs, il y a un peu de ceux qui battent le monde dans le gouvernement, dans le gouvernement, c'est Bako Samba. Bato tout, bah, bato là, bato biloko. Attends, ceux qui payent aux Congolais, même ça aussi. Aux Congolais, ministre Moko, ton ancien ministre Moko, ton premier ministre Moko, a signé ça dans le document. Il y a un bon ndambo, un petit ndambo. On va dénoncer. On va dénoncer. Mbongo et les collègues qui ont fait un peu dans l'État. Ne dites pas qu'il y a qui paye. Non, qui paye, c'est si là. On est dans un pays, dans un état de droit. Profitons d'un état de droit. Moi, j'ai des éléments à battre. Non, il n'y a que comme Ebélé. Oyoki battre, nous sommes sûrs que l'État congolais me doit. La province me doit. Non, la province paye, hein, ne vous en faites pas. La province du Congo central, la province du Katanga, la province de Batoué Bélé, l'État avait devoir bango bambongo na bango, mais on peut s'abangoter. Ne parlons même pas de la paye. Ne parlons même pas de la paye. Na au Katanga, on va donner des éléments à au Katanga. Où il y a des citoyens congolais qui sont là, ça fait 6 mois, 7 mois, ils ne sont pas payés pour des raisons qui va éviter. Alors que ces derniers ont des explications, il faut que mbongo na bango yaka, mais on ne peut pas s'abangoter. Tout ça, il faut arrêter ça. Tout ça, il faut arrêter. Nous devons, nous, avoir un état où nous permettre que vous me devez l'argent, payez-moi mon argent. La province me doit, la province est foutanga mbongonanga. Au lieu que tu n'as pas procès interminable, tu n'as pas procès pour foutanga mbongonanga. Quelqu'un te dit, ato baluki nyo, son nom lingi, okutanga awa. C'est moi qui suis en train de patronner. Non, nous ne voulons pas un pays où on a des rois dans une république. Nous voulons un pays qui respecte la norme. Ndeko,
un autre sujet important. Et dans les sujets, il y a rationalisation, il y a makambo biso tozo sala. Parce que moi, dans le but makambo mouké, na otika batba ya kufuta. Na otika batba loba. Mais avant de compter dans le sujet, on a quelque chose qui me revient encore à l'esprit. J'allais oublier. Ma papa n'a biso basaka ba hôtel, basaka ba passi. Surtout bande ba hôtel, bande ba restaurant, bande ba ya ba aviation. Même bande ba régie des eaux. L'État congolais ya ba makambo, mais là l'État n'a biso. L'État peut dire nazo louer hôtel na bino. L'État y est, a vu hôtel, a tché bino na hôtel, a financé hôtel na bino, disons, a vu hôtel na bino, a vendu si batou na hôtel. On dit que l'État, ok, ne m'a foutu mon hôtel, il ne règle pas la facture. Oh! Comment l'État ne peut pas régler la facture des gens? Comment vous êtes, comment faites-vous pour être dans un État qui est insolvable? L'État congolais ne paye pas l'hôtel. L'État congolais ne paye pas l'eau. L'État congolais ne paye pas l'électricité. L'État congolais ne paye pas le transport à Dodoga Yabato. L'État congolais, Kota Manyonga, entreprise est belé à Congo. Des entreprises des privés en plus. Moutou Mouka, c'est l'entreprise, on va dire, transport. C'est l'entreprise, il le fait. Ce qui est bizarre, vous savez, l'État va prendre à contracter ma dette. Voilà. L'État a utilisé en gros. Et ça commence à faire des années et des années, l'État ne paye pas. On pose la question à l'État, mais oh, chef. Restauration. Mais paye. Et comme il y a un an, il y a un budget, il y a un plastel, et l'initiative privée est détruite. Pourquoi l'État doit des millions à des gens? Ce qui va être un peu de récupérer, il y a un peu de tout ça, la signature. Parce que ça, il y a un peu de non. À un moment donné de l'histoire, les gens doivent s'arrêter et dire trop, c'est quand même trop. Je ne dis pas que ici l'État doit payer de la manière la plus bête. Non, mais l'État doit savoir s'acquitter de ses dettes. Et surtout quand vous avez les dettes dans le privé. Le privé ne vivent que de leur argent. Le privé ne vivent que dans le monde. Ceux qui ont beaucoup l'État comme sponsoriser escroquerie. Ceux qui ont beaucoup l'État comme sponsoriser malhonnêteté. Ceux qui ont beaucoup l'État comme sponsoriser la bêtise. Alors je me pose la question, comment vous allez réussir à faire développer un pays? Parce qu'un État qui laisse des dettes, c'est un État qui enrichit les farceurs. Les farceurs, quand ils arrivent, comme ils répertorient les gens. Ouais, 25 millions, ouais, 30 millions, ouais, 50 millions, comme ils bango. Et ils commencent à leur demander un peu de moyens. Nous voulons bien vous aider, vous voyez. On veut bien vous aider. Mais est-ce que vous pouvez donner un peu d'argent? Est-ce que vous pouvez savoir? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Combien de Congolais ont fait des travaux, tous les travaux ici, là, et l'État fout à bangoté? Il y a même des fournisseurs qui ont fourni à l'État des ordinateurs, qui ont fourni à l'État des services, qui ont fourni à l'État l'État fout en bon, l'État dit donc fout en bon, on attend tel. Et comme il attend la ministre à Longwe, tant que vous allez, aller, et comme compliqué. Oh, les cabos, les cabos. Et si vous savez que vous avez fait votre travail convenablement, vous ne voyez pas pourquoi vous allez payer un cagnac à Nicolo. Rose l'ambo fout un bon là-haut, normal. Mais un ministre te dit non, si on a fout un bon là-haut, pesanga 40 dollars, pesanga 40%, pesanga 30%. C'est ce qui tue notre pays. Donc c'est pourquoi nous demandons au procureur de se réveiller et de regarder la chose dans la bonne direction. Le pays ne peut pas évoluer en consécrant la malhonnêteté, en consécrant le vol, la dilapidation des ressources. Ce n'est pas possible. C'est littéralement impossible de penser un développement dans le modèle Wana. Mais d'un côté, il faut que le parquet soit un parquet sérieux. Il faut que le parquet aille beaucoup fouta nyongo ya bato. Pardon, que le parquet aille beaucoup kanga bato yo, bazo boya ko fouta nyongo ya bato et ba ko liaka mbongo na bango na ndenge ya lokuta. Mais l'État paye à tambola rapé bande ne de justice na biso paye et tambola rapé na ba élément. C'est ça aussi notre plus grand défaut. Les Congolais sont des gens qui parlent beaucoup mais qui n'apportent pas de preuves. C'est ça le plus grand problème. Le parquet ne peut pas fonctionner, ne peut pas être alimenté s'il n'a pas d'éléments, s'il n'a pas de preuves. Par contre, on finit par le parquet, on a pamba. Le parquet ne peut pas poursuivre une affaire s'il n'a pas d'éléments. C'est grave, la simple soupçon. Soral a dit oui, à un moment donné, il va s'arrêter parce qu'il aura besoin de travailler. La preuve fonctionne comme le sang dans le corps et administration judiciaire. Vous avez besoin d'avoir ça. Mais ce qui est la preuve, c'est comme compliqué. Voilà pourquoi nous avons un bon élément dans le monde. Un autre élément dans le sujet à Zando. Cette histoire de Zando me fait très mal. Me fait très mal pourquoi?
Parce que je me pose la question, je me dis, qu'est-ce qui manque pour que nous ayons un marché moderne? La réponse est rien. Rien ne nous manque pour avoir un marché moderne. J'oublie toute la procédure et toute l'actualité qu'il y a. Voilà ma manière à moi de voir les choses. Pour concevoir un marché, vous devez d'abord identifier les besoins des gens dans le secteur Wana. Et le paradigme, c'est ça qui pose un problème dans Bokanabisson. Pourquoi devrions-nous avoir un seul marché central? Pourquoi il faut appeler ça un marché central? Pourquoi? J'estime que nous devrions avoir, ou il faudrait qu'on ait, des marchés municipaux et bêlés. On a 25 ou 24 communes, je me suis, je ne me trompe pas. On a 24 communes. Ayons 24 marchés municipaux. Moi, je pense que ça règle la question. Bon, il y a des marchés municipaux. Il y a des prix, il y a des opportunités. Tout est là, wana. Vous n'aurez pas besoin d'avoir ce marché central. Pourquoi il faut en avoir? Je me pose la question, pourquoi faut-il en avoir? Ça appelle la concentration à bateau pour rien. Or, ce que vous allez dire, la place, il y a marché central auto, décentralisé en gros. Vous allez voir que même l'embouteillage est qu'on voit une autre touche en fait. Parce que imaginez que 30 000 ou 34 000 personnes, donc, ils viennent de toutes les provinces, de toutes les communes, n'est-ce pas? Alors, si nous imaginons, ce que tout ça, vraiment, c'est simple. Tout ça, on a 10 000 personnes dans chaque commune, il y a Kinshasa. 10 000. Si on réussit seulement à décentraliser le marché central, comme c'est un marché municipaux. On aura quoi à la fin? C'est qu'on aura 24 marchés municipaux avec en moyenne 12 000 ou 15 000 vendeurs. Ça aura réglé la question. Et puis le marché, il y a des marchés, il faudrait donner cela, à mon avis, aux Congolais. Les architectes congolais, baza. Les entrepreneurs congolais, baza. Alors, pourquoi nous allons accepter que toujours Libanais? Pourquoi avoir des Libanais? Et je ne fais pas Marine Le Pen out. Pour Nanine, il faut que ça marche à un Libanais, ou à un Français, ou à un Américain. Si on peut donner le marché aux Congolais. Identifions les besoins et les problèmes. Et moi, je pense simplement que, je ne sais pas, je n'ai pas la maîtrise de la loi en ce qui concerne la distribution des marchés, mais et si les communes pouvaient elles-mêmes organiser ma compétence pour la fabrication de ma marché, mais la prototype, mon corps. L'État central peut décider du choix, il y a le type de marché. Ou bien la ville, c'est ça la disposition de la ville peut décider sur le type de marché. Il faut voir dans la commune. La ville peut dire, bon, nous voulons marcher à type boué. Marcher à 2 étoiles ou 3 étoiles, n'habite comment on va faire, 4 ou 5, ça dépend. Vous imaginez le marché qu'il faut, les types de marché qu'il faut pour la province. Et vous appelez les entrepreneurs. Mais vous faites la promotion d'abord des entrepreneurs congolais. Et chaque commune peut suivre les travaux. Il y a marché, on a la livraison. Ainsi, on aura donné du travail aux Congolais. Parce qu'un Congolais peut évaluer le marché à l'Ubino. Pour l'instant, le marché, moi, la commune, il coûte par exemple 2 millions de dollars. Il y a des Congolais qui ont 3 millions, qui ont 4 millions de dollars, qui peuvent vouloir investir. Ils investissent son 2 millions de dollars et Moulouki mécanisme de Bourgoussal pour récupérer Mbongonaï. Et tout est fait, tout est arrangé pour qu'elle récupère effectivement Mbongonaï, 2 millions de dollars récupérés en gros et puis elle va bénéficier après. Au cours d'un terme, la commune continue, l'État continue à récupérer Mbongo. Et l'État peut se faire accompagner dans l'entreprise Moussoussou. L'entreprise Moussoussou a salubrité. L'État lui-même peut demander à la jeune Moussoussou, il y a l'entreprise d'abord, il y a sécurité, il y a l'entreprise d'abord, un nettoyage. Et l'État donne de l'emploi dans le modèle loin. Mais ce que toujours continue quand d'avancer un paradigme, on va construire Zando, tout ça, la Zando centrale, vous n'allez pas résoudre le problème. Zando a besoin de la décentralisation. Décentraliser cette histoire. Faites des marchés municipaux, on aura réglé la question. Sortez dans vos histoires des marchés centrales, il y a Mounen, parce que Bolingo, on va faire un abino, Bolingo, ça va être un abino de Makambouana. Non, essayez de décentraliser. C'est vrai qu'il y a des places commerciales, les Alaka. Oh, et que tout va dire que zone où on a, il y a zone, il y a place commerciale. Mais dans un modèle, tout ça, on a une zone d'hôtel. Si qu'on a Zandou, Jérémy Maïkand, il m'a même dit qu'il est allé dans Zandou, mais qu'est-ce qu'il a vu là-bas? Mais il a vu du bonheur.
amoni va venir minene oh évergé donc ceux qui mettent ma zongi quand ils doué bah tout ne va bébé ça rien donc d'une manière ou d'une autre hein, il est temps faisons bien les choses c'est important c'est primordial il est temps de bien faire les choses faisons bien les choses pour que ma cambo qui bien voilà un peu ce que moi j'allais dire dans ma congolais union sur les lots merci na bato balanda kibisho na ozela élément na bino on attend vos éléments bon le bateau que tu peux une opportunité on attend vos éléments que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Plus précisément la carte à Washington. Maman Marthe, né. Maman Marthe, né. Maman Shop, Afrique à l'Union. Mais toi, t'es un gnosso. Il y a un gnosso congolais. On dit que tu es un salis à l'autre. Pour la Corée, la Yon, comme on est la Yon. Pour la Toto, la Yon, comme on est la Yon. Pour la Corée, la Yon. Maman Bio. Bio Afrique Union et tout ça pour les Chinois. Sinon, vous voyez pas, il y a du nom pour les Chinois. Mais voilà, on a un teka. On a un teka, il y a un boka. Il y a fraise. Il y a bio. Bio na bio. Bio na bio. Si on a un bio, on a un kanja isali. Parobi, nous sommes moi et Ali. Et un kouba paniwa. Parobi, un tente isali. Ça combat, ça gagne. Je suis un poto et un bisez. Parobi, il y a un bayo, 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 il y a un bayo. Oh,